Salut, salut, donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous lancer le concours des 2000 abonnés. Oui, on y est enfin arrivé. Donc merci du fond du cœur à toutes celles qui ont partagé la chaîne, qui en ont parlé. Merci à toutes les nouvelles qui sont arrivées, enfin nouvelles, qui sont arrivées entre temps. Et bien bienvenue parmi nous. J'espère que vous plairez en notre compagnie et que vous appréciez le contenu que je vous fournis. Voilà, voilà. Donc vous savez que quand c'est des concours, j'adore vous offrir des produits que j'aime, en sachant que j'aime principalement les produits petit prix. Donc forcément, voilà, ça sera des produits petit prix. Je fais suivant mes moyens également, mais j'avais très envie de vous offrir ces produits, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes. Après, comme c'est rarement deux fois la même personne qui gagne un concours, c'est pas très grave, puisque c'est bien que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer le lot ou vous donner des conditions. Non, je vais d'abord vous montrer le lot. Donc je vous mets d'abord une mini éponge comme ça, voilà. C'est une que j'avais eue dans un kit, je sais plus quoi. Elle a l'air pas trop mal, mais moi je ne sers pas du tout des toutes petites éponges comme ça. Donc je vous mets cette éponge là. Je vous mets un petit patch pour les yeux au concombre comme ça en tissu. Donc qui venait de chez Action. J'avais acheté une boîte avec plusieurs dedans, mais moi je... il me pique le contour des yeux. Il y en a un qui m'a piqué, l'autre qui m'a pas piqué. Et voilà, il m'en restait un, donc je vous le mets dans le lot du concours. Je vous mets également ceci que j'adore. Donc c'est une éponge, d'ailleurs vous en aurez une emballée. Hein, elle est juste ici. Voilà, c'est une éponge que moi j'utilise pour me démaquiller. Donc je vous remets ma routine soin juste ici, puisque je vous explique comment je l'utilise et tout ça. Mais voilà, alors c'est super doux, j'adore ces trucs-là. Et voilà, je n'utilise plus que ça pour me démaquiller. Donc, vous l'aurez en version emballée, voilà. Pour le make-up, je vous mets tout d'abord une base de chez ELF. Voilà, oui, je sais qu'on ne sait plus trouver les produits, mais moi, c'est ce qui me restait dans mon backup, donc je vous en mets une, puisque je ne l'utilise plus, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est parce que j'ai trouvé celle de chez Essence que je préfère, voilà. Je vous mets une palette, donc je l'avais eue en cadeau dans mon dernier haul Révolution. C'est la Flawless 2, voilà, de chez... C'est mieux à l'endroit de chez Révolution. Donc, c'est les palettes, tout ce qui est plus basique, c'est dans les teintes nude. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sans vous éblouir. Oups, le petit papier est tombé. Donc, voilà, elle est très jolie, hein, mais moi, je l'ai déjà. Et voilà, je l'ai déjà eu plusieurs fois en cadeau. Donc, je vous la remets à chaque fois dans les lots des concours quand je l'ai en cadeau. Parce que, voilà, je trouve. Je trouve que c'est mieux quand on a des produits de les offrir que de les vendre. Donc voilà pour la petite palette que je remballe tout de suite. Et ensuite je vais donc vous mettre des choses que j'aime énormément. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits qui font partie de mes favoris. Et voilà. Donc quelque chose que j'ai découvert récemment, je l'ai utilisé dans cette vidéo quand je teste mes derniers achats. Donc c'est de la marque Catrice, c'est la base, la Tensational. J'adore cette base, j'adore. Gros coup de cœur sur cette base. Donc elle prime la face, hein, voilà, elle fait tenir le fond de teint un peu plus longtemps. Elle hydrate, elle est anti pour les taches pigmentaires. Elle donne un glow naturel, elle est anti-pollution, antioxydant, pore minimizer. Elle unifie le teint, elle blur les imperfections et dedans il y a une SPF 15. Voilà, tout ça. 10 choses dans ce petit flacon de 30 ml qui est juste génial. Ensuite, vous savez que je n'utilise qu'un seul liner, c'est le Liquid Ink de chez Essence. Donc voilà, je vous en mets un petit parce que j'adore, enfin un petit, c'est le format classique. Je l'aime vraiment d'amour, donc je suis obligée de vous le mettre. Et enfin, je vous mets ma base de mascara préférée, celle de chez Essence. Toujours, voilà, je vous mets 3 produits pour les cils, donc c'est la base de mascara, la Volume Booster Lash Primer, que j'aime d'amour. D'ailleurs, j'ai pensé à l'acheter pour vous pendant le concours, et moi j'en ai plus. Donc, il faut que j'aille m'en racheter un stock, et rapido. Je vous mets bien sûr le I Need a Miracle, qui est mon mascara préféré, de chez préféré, de chez préféré. Je ne lui en trouve pas un qui lui arrive à la cheville, et d'ailleurs... il est mieux que le Better Than Sex, qui était mon favori pendant des années. J'avais fait le comparatif avec ma nièce quand je l'ai acheté, donc ça date d'il y a
un certain temps déjà, puisque je ne m'étais pas encore fait opérer, je crois. Donc, je vous remets le comparatif avec celui-ci et Better Than Sex juste ici, si vous voulez aller voir. Et pour terminer, je vous mets le catrice que j'utilise moi pour les cils du bas. Donc, c'est le Lash Growth Fuller Longer Stronger, le catrice Glam Handle Boost. C'est une toute petite bosse. Je vais vous montrer le mien pour ceux qui ne me suivent pas encore. Donc voilà, c'est une toute petite brosse comme ça que j'utilise principalement pour les cils du bas. Et c'est le mascara au Ricard que plusieurs d'entre vous ont voulu le tester. Voilà, j'arrête pas de dire que moi je trouve qu'il sent l'anis, je trouve qu'il sent le Ricard. Mon mari me prend toujours pour une tarée quand je lui dis, mais moi je trouve toujours qu'il sent le Ricard. Voilà, tout simple. Donc voilà, plus ce petit mascara là. Donc vous avez à peu près tout pour faire un make-up, j'ai pas trouvé de produit lèvres, j'ai pas eu le temps de retourner acheter quelque chose avec toute cette histoire de virus et compagnie. Donc voilà, j'espère juste que ce lot vous plaira et voilà. Donc pour les conditions, il est ouvert, donc je voulais le faire jusqu'au 20 avril, donc il est à partir d'aujourd'hui, hein. Je voulais le faire jusqu'au 20 avril, mais je me demande si je vais pas le faire jusqu'à fin avril. Pour être sûr en fait, puisque les Mondial Relais sont fermés, la poste en France, je ne sais pas si elle est encore ouverte, en Belgique, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, donc je vais le faire jusque fin avril, donc le dernier jour du mois d'avril, voilà, je ne sais pas, c'est le 31 janvier, février, mars, avril, non, c'est le 30, donc jusqu'au 30 avril. Vous devez remplir le Google Form qui se trouve en barre d'infos, tout simplement, voilà, être abonné à ma chaîne, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Likez la vidéo. Et voilà. Après, vous avez en facultatif, vous pouvez partager la vidéo, voilà, pour essayer d'attirer encore des gens. Et me suivre sur Instagram. Donc, je vous le note juste ici. C'est ici que je le note. Vous avez le lien en barre d'infos, en sachant que vous aurez une chance supplémentaire sur Instagram, puisque quand je vous ai posé la question, vous vouliez que je le fasse sur les deux plateformes. Donc, voilà. Si je vous souhaite, le concours est publié en même temps que cette vidéo. Et je vais également octroyer un bonus de 5 chances supplémentaires aux 5 premières personnes, enfin aux 5 personnes qui m'auront le plus soutenu sur YouTube pendant la période du concours en fait, parce que j'ai trouvé récemment, alors je ne vais pas souvent sur YouTube, mais j'ai trouvé récemment qu'il y avait un classement en fait des personnes qui regardent le plus de petites vidéos pour faire monter ma petite cagnotte de cacahuètes. Et du coup, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, j'ai décidé que à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 avril, j'irai voir les 5 personnes qui ont le plus été perdre du temps sur les mini-vidéos de caca de Utip. Et voilà. Donc, ça sera 5 chances supplémentaires par personne pour les 5 personnes qui auront le plus participé. Je crois que vous avez compris le principe, hein. Donc ben voilà, c'est tout pour cette mini vidéo, hein. Elle ne dure pas très longtemps, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Donc je vous dis encore merci du fond du cœur, merci à toutes celles qui me suivent depuis 8 ans maintenant, ou depuis un peu plus récent, mais merci à toutes les nouvelles arrivantes. Et voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager également, des envies particulières, dites-le moi. Donc en attendant, on se retrouve mardi, je ne sais plus avec quelle vidéo, donc voilà, ce sera la surprise. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous dis bisous bisous. Et surtout, prenez soin de vous.